Coucou, comment entrer efficacement dans le ministère? Comment entrer efficacement dans le ministère? Beaucoup de gens veulent servir le Seigneur et on remarque que dans nos églises, il y a plutôt des personnes qui veulent être des superstars parce qu'il y a un prestige autour de l'estrade et il y a un prestige dans le fait de tenir le micro et de parler devant les gens pour soi-disant les sermonner. Mais pourtant, derrière, il y a un travail énorme à abattre. Voyez-vous, quand vous voyez un pasteur, un homme de Dieu, quelqu'un tenir le micro ou diriger une église, vous ne voyez que la face visible de l'iceberg. Il y a une face cachée que vous ne connaissez pas. Et certains, pour n'avoir pas les fondations en fait, de cette partie cachée de l'iceberg, ils s'aventurent dans le ministère et font des leçons parfois aux personnes qui sont dans le ministère depuis fort longtemps. Regardez, comment entrer efficacement dans le ministère? Le ministère déjà, pour tous les chrétiens, c'est le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18 nous dit que nous sommes tous appelés au ministère de la réconciliation. Matthieu, Marc, Luc, Jean, même dans Actes des Apôtres, nous montrent que le Seigneur nous a demandé de faire des nations des disciples. Le Seigneur nous a demandé d'évangéliser et de former des disciples. Tout chrétien qui se respecte doit former des disciples. Il doit gagner des âmes et former des disciples. Donc le ministère doit être autour du fait de gagner des âmes et de former des disciples. Je sais très bien qu'il y a 5 ministères. Je sais très bien qu'il y a l'apôtre qui implante les églises et qui coordonne et il a un peu tous les autres 4 ministères. Il y a le prophète qui monte la direction et confirme la direction et il a un peu tous les autres 3 ministères. Il y a l'évangéliste qui va chercher des âmes dans le royaume des ténèbres et les amener dans le royaume de Dieu. Il a parfois les 2 autres ministères, c'est-à-dire le ministère de pasteur qui s'occupe des âmes et le ministère d'enseignant qui enseigne les âmes. Et le pasteur a très souvent un ministère d'enseignant. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Mais pour entrer efficacement dans tout ça, vous devez savoir évangéliser et former une âme. Si vous ne savez pas le faire, vous serez bancal dans le ministère et vous ferez partie de ces personnes-là qui causent des problèmes aux pasteurs dans les églises. Parce qu'un pasteur connaît les réalités du suivi des âmes. Un pasteur connaît les réalités d'une bergerie et de comment faire grandir une âme. Si vous commencez à le faire, peu importe ce à quoi vous êtes appelé, vous pourrez mieux aider les ambassades du royaume de Dieu à se développer ici sur la terre. Parce que oui, l'église est une ambassade du royaume de Dieu. J'espère que je vous ai aidé et j'espère que vous allez regarder la prochaine vidéo parce que je reviens encore avec des nouvelles exhortations et des enseignements qui vont vous bénir.